just forever, ever, or to never mind. Oh, I. Bonjour les amis, et oui, je vous reprends pour une petite vidéo, toujours en forêt, malgré qu'il y ait de l'orage. Là, il y a une petite accalmie, donc bon, bah, on va essayer de faire une petite heure ou deux, enfin tout le temps, que le temps se maintienne bien. Voilà, allez, je vous prends à la première trouvaille, à tout à l'heure. Allez les amis, je vous reprends pour une petite trouvaille, une petite. Petite pièce. Bon ben voilà, ça ressemble beaucoup à du napo, mais quand vous voyez l'état, je ne préfère même pas la gratter. Je vais attendre de bien la faire sécher, mais bon, vu le format, ça ressemble bien à une petite napo. Voilà, bon ben je vous mets ça en photo une fois que je l'ai bien nettoyé. Allez, à la prochaine trouvaille. Allez les amis, je vous reprends pour une petite trouvaille. On va la faire ensemble, c'est pas très loin. Oh bah, qu'est-ce que je vois? Ouais, non, c'est même pas ça. Ah bah voilà, une petite pièce. Bon, ça c'est une infron, ça. Oui. Oui, c'est une infron. Bon, bah encore une infron. On en fait souvent ici quand même. Bon, malheureusement, c'est une 1960. Bon, j'en ai déjà fait quelques-unes ici. C'est pas rare d'en faire. Enfin, bah voilà. Bon, ben une petite infron. Allez, on continue et je vous reprends. À tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Ça doit être sorti. C'était pas très profond, mon premier vue. Bon, ben ça va. Une petite pièce. Oh, c'est une 2 francs. Oh bah, il y a longtemps que j'avais fait une d'œuf. Oh, elle est nickel celle-là. Ah, c'est terrible les pièces parce que. Bon, elle est nickel. Bon, il y aura besoin d'un petit nettoyage quand même, mais je veux dire, elle n'est pas bouffée, rien du tout. Les pièces de 2 euros généralement. De 2 francs, pardon. On les garde toujours bien. C'est une quelle année ça? C'est une 81. Bah voilà. Bon, bah, hein, je crois que ça va être la journée des francs. C'est pas possible. Mais bon, ça reste une pièce, ça fait plaisir. En plus, elle est pas trop mal. Allez, on va continuer un petit peu avant l'orage. Et je vous reprends à la prochaine trouvaille, s'il y a. Allez, à tout à l'heure. Allez les amis, là je vous reprends, mais je crois que c'est la trouvaille pour moi. Regardez bien, la trouvaille de l'année. Une petite pièce, mais une petite pièce en or. Eh oui! Alors là, je suis trop content. J'avais déjà fait une bague, mais jamais une pièce. Elle est splendide, splendide de chez Splendide. Une belle Napoléon III. Alors là, celle-là, elle est vraiment petite 10 francs. Là, je vais essayer de bien la poser pour vous montrer, parce que c'est tellement rare que j'en fasse une, moi. Pas terrible, mais bon, ouais, faut dire que elle est magnifique, magnifique de chez magnifique. Je suis trop content, je sais même plus quoi dire parce que bon, elle est superbe, superbe, superbe. Alors là, je sais même plus, j'arrive même plus à aller à la date. Alors, à première vue, 1857. Alors là, je suis vraiment plus qu'heureux. C'est vraiment ouais. Écoutez les amis, hein, je leur dis encore une fois, je suis trop content qu'elle est vraiment magnifique, hein.
Et là, tout compte fait, bah, je devais continuer encore un peu. J'ai tellement peur de la perte que bah, je vais rentrer directement. Hein, prenons pas de risque. En plus, il y a la pluie qui commence à retomber. Allez, mes amis, forcément, je vous mets une petite photo. Hein, et bah, forcément, je leur dis, hein, à force de persévérer, on arrive toujours à se trouver quelque chose, voyez-vous. Bon, là, c'est vrai qu'elle est vraiment splendide. Bon, ben, je vais essayer de bien l'arranger pour pas la perdre. Et je vous mets ça en photo, mes amis. Allez, à plus tard.